Hello, bonjour, je vais parler du prince Harry et de Meghan Markle. On va parler de Kate Middleton et ce par rapport aux photos qui viennent d'être publiées. Oui, c'est une photo en particulier, celle qui a été prise alors que Meghan Markle et le prince Harry se trouvaient à Miami, à Palm Springs plutôt, lors du match de polo. Donc, c'est une photo du prince Harry et Meghan Markle en train de discuter avec d'autres personnes et aussi des caméras. C'est une photo qui a été prise de loin et cette photo est très claire. Vous voyez, il n'y a pas de ce qu'on appelle de bruit, c'est-à-dire des petits points sur la photo. On voit très bien le visage de Meghan et le prince Harry. On voit bien le reste du groupe, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de problème. C'est prise avec une caméra à longue vue, n'est-ce pas? Donc, quand les fans de Meghan Markle et d'autres personnes ont vu cette photo, ils se sont posé la question à savoir comment se fait-il que des tabloïds ont la possibilité de prendre des photos aussi claires de loin, mais lorsqu'il s'agissait de Kate Middleton, c'était toujours brouillé, ce n'était jamais clair. Il y avait toujours un filtre, il y avait toujours quelque chose. On essayait de nous dire que oui, les tabloïds étaient loin. Il y avait toujours une explication assez bancale. Mais ici, ce que met en évidence cette photo-ci, c'est que quelque chose ne tourne pas rond dans l'explication qu'ont donné les gens par rapport aux photos de Kate Middleton. Je reposte encore ces photos ici. Si vous n'avez pas oublié de quelle je parle de la photo de la soi-disant Kate dans la voiture avec sa mère. Je parle de la photo de Kate Middleton en train de marcher lors d'une visite d'un marché, quelque part à Oxford ou à Windsor où ils vivent. Hein. C'était toujours des photos où on ne voyait pas clair. En tout cas, le visage des personnes n'était pas clair. Et ce qui fait dire en fait que, surtout la photo de Kate Middleton et du prince William ensemble au marché, que le fait que le visage n'était pas clair était voulu. Mais dans ce cas, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'était voulu? Pourquoi cacher le visage de Kate Middleton? Certains me diront que c'est quelque chose qui s'est passé, il vaudrait mieux passer à autre chose. Non, pas du tout, parce que là, il s'agit de manipulation, il s'agit de la vérité. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc je vais vous présenter ici tout simplement cette photo-ci pour dire. C'est bizarre. Ici, Meghan Markle est prise de loin. On voit très bien son visage. On voit le visage de certaines personnes qui y sont. On sait bien que c'est Meghan. Mais quand il s'agit de Kate, on a du mal. Tout est flou. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas. À vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.